Mec, ce soir c'est carrément incroyable. Salut à tous, ici Skilo. Et le Padre. Et on se retrouve aujourd'hui pour Kamini. Voilà, fallait que je te fasse écouter d'autres morceaux vu que tu connais pas trop à part Marley Gobon. Oui, mais c'est le morceau qu'on entendait régulièrement quoi. Hein. Bah oui, son gros hit hein. Ouais. Maintenant on va écouter un autre de ses hits moins connus mais très très lourd aussi. Moi je connais, toi je pense pas. Et donc le titre c'est La Bagarre. La Bagarre. C'est une bagarre dans son petit village. Je sais pas, j'imagine, ouais, ouais. Avec les agriculteurs, les vieux. Ça serait pas mal. Oui. Ça fait un bail que j'ai pas vu le clip donc ça va faire du bien. On va se lancer ça tout de suite. C'est parti. Oula. La dégaine. Oui. La bagarre? Non, non, non. Moi, je cherche pas la bagarre. Moi. Ouais, mais t'aimes bien quand même voir, quoi, la bagarre. C'est divertissant, non? Voir des gens se battre. Petit spectacle comme ça. Sympa. Allez. Non, mais en vrai, qu'est-ce que t'en penses des bagarres, toi? Quoi, cette question? Quand tu regardes les infos. Ouais. Ça va, tu sais. Ouais, mais même sur internet, y a toujours des vidéos de gens qui se battent dans la rue. Il y a certains quartiers comme ça où. Je sais pas moi. Tu sais, moi j'ai une autre vision de la vie que, hein, que de me bagarrer quoi. Mais non mais c'est quand t'es jeune, voilà. Hein. Ouais mais même quand j'étais jeune quoi. Hein. Ouais, t'étais pas un bagarreur? Non pas du tout. Ah ok. Pas du moment qu'on me fout la paix quoi. Et les morceaux sinon. C'est. Mais ça date de quand aussi d'il y a. Bah écoute, je vais te dire ça tout de suite. 2015. Ah, c'est un plus récent encore. Oh oui, oh, il avait encore de l'inspi. J'aime bien vraiment le début du morceau, c'est épique quoi. C'est vrai que oui, faut le prendre sous forme de l'humour quoi. Bah oui, bien sûr, évidemment que c'est humoristique. Mais c'est tellement bien fait quoi, parce qu'en plus, mais il y a une part de vérité dans ça quoi. Ouais, les bandes de quartier, hein, quand ils se voient. C'est vrai que de nos jours, vaut mieux pas trop regarder les gens parce que. Hein. Ça démarre au quart de tour. Hein. Bon, attends. Ça veut servir d'eux. C'est le genre de personne qu'on a rien à foutre. Tu les trouves par milliers dans les stades de foot. Ils aiment les embrouilles, ils aiment les histoires. Je les nomme les moi j'aime bien la bagarre. 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 Moi la bagarre. Moi j'aime bien la bagarre. Moi j'aime bien la bagarre. Moi j'aime bien la bagarre. Moi la bagarre. Moi j'aime bien la bagarre. Moi j'aime bien la bagarre. Moi j'aime bien la bagarre. Moi la bagarre. Moi je suis fort en bagarre. Moi je suis fort en bagarre. Moi j'aime bien la bagarre. Moi la bagarre.
Alors j'aimerais bien par contre vite voir le texte en fait. C'est vrai que je m'y suis jamais intéressé. Ouais, enfin pas le premier couplet, hein, parce que là... ils sont très nombreux, très peu courageux, ils se battent contre tout le monde, parfois même entre eux. Ne jamais les regarder dans les yeux, si eux cherchent à te regarder dans les yeux. Ils s'en prennent aux jeunes, ils s'en prennent aux vieux, peu importe le jour, le temps, l'heure et le lieu. Ils jaillissent de partout, de tous les milieux, c'est vrai qu'ils sont souvent... Ils s'emmerdent tellement que... Ouais, quoi. C'est quoi, qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse, quoi. Ils se mettent parfois à 10 contre 1, là, c'est... Ah ouais, c'est plus facile. C'est un peu ridicule, quoi. Quand ils sont tout seuls, ils sont très peureux. Ah, facts. Sarkozy, pour gagner, s'est servi d'eux. C'est pas mal du tout. Pour sa campagne. Ils se sont laissés manœuvrer, hein. C'est le genre de personnes qu'on a rien à foutre, tu les trouves par milliers dans les stades de foot. Ils aiment les embrouilles, ils aiment les histoires. Je les nomme, moi j'aime bien la bagarre. Tu vois vraiment, Kamini, il les prend comme des Mongols, quoi. Parce que hein, la façon dont il. Enfin, l'intonation qu'il prend, quoi, il dit moi j'aime bien la bagarre, moi j'aime bien la bagarre. Pas tout à fait. Hein, il se fout vraiment de leur gueule d'une manière. Bah, c'est sûr. Bah, ça joue fort parce qu'ils sont en bande, hein, mais autrement. Non, mais c'est bien. Et comme je dis, c'est vrai, il a raison, parce que s'ils étaient un petit peu plus malins, hein, ils passeraient peut-être à autre chose, quoi. Hein. Que de traîner dans les rues en bande et de tout casser, parce que c'est vrai que parfois dans certains quartiers hein, le mobilier urbain est fameusement amoché, hein. Les obètes de bus sont complètement Et toi, tu t'es déjà fait embrouiller dans la rue? Non. Ah. Non, mais comme je suis toujours en voiture, ouais. Aussi, ouais. J'évite certains quartiers, hein, parce que c'est vrai que même en voiture, Tu regardes peut-être les gens mal, qui conduisent mal, tu vois. Alors il va peut-être dire, ouais, pourquoi tu me regardes? Bah, je klaxonne, hein. T'es en voiture, bah, hein, ta voix ne porte pas, quoi. Ah, mais si tu klaxonnes, il va peut-être dire, hey, pourquoi tu klaxonnes? Il va dire, non, c'est toi qui klaxonnes. Ah, mais j'ai eu une fois la blague avec un type avec, justement, avec une BMW. Hein, vous avez fait une battle de klaxons? Non, donc, en fait, c'est, bon, comme... beaucoup, quand ils ont une BMW, ils se croient tout permis, quoi. Mmh. Ils roulent comme des fous, comme des dingues, quoi. Attention, il y en a peut-être quelqu'un qui a une BMW, ils vont mal le prendre, hein. Ouais, mais ça, ils ont qu'à juger eux-mêmes comment eux roulent, quoi. Hein. Et puis le type, bon, si tu veux, il tourne, mais il pouvait pas tourner, quoi. Et moi, je klaxonne parce qu'il y avait une... Bon, c'est parfois le bordel ici aussi, hein, dans les parkings, quoi. Je klaxonne, et puis il sort de sa BMW, et puis il ouvre ma portière, puis il me dit, ça vous amuse de klaxonner? Ouh. Ben, moi, je dis, calmez-vous parce que vous êtes filmé, parce que j'avais une caméra. Donc, une dashcam. Une dashcam. Donc, automatiquement, ben, elle a fermé ma portière, et puis il est parti, quoi. Hein, parce que, le problème, c'est que quand t'as une dashcam, tu peux rien faire non plus, hein. Si, t'es à la caméra au bon moment. Oui, c'est vrai. Oui, mais bon, pour dire que quand même, quoi. Donc, il était filmé, quoi. Ouais, okay. Mais c'est vrai, hein. Donc, c'est vrai qu'il y a des fous, hein. C'est vrai que par rapport à mon âge, quand je vois par rapport au passé, hein, ben, je me dis franchement, il y a. Mais des, vraiment, je crois qu'il y a plus de cinglés en liberté que dès qu'ils sont enfermés. Hein. Et ça, bon, tu le vois surtout en voiture, parce que tu circules très peu à pied, je veux dire. Hein, c'est souvent en voiture, quoi. Hein. Et c'est là que tu dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est franchement. Et heureusement que depuis quelques années maintenant, j'ai une dashcam, parce que les fous qui circulent, je me dis franchement, s'il y a un truc, ben c'est filmé, hein, donc, voilà, hein. S'il se passe quelque chose de grave, ben, j'ai une preuve, mais j'oserais plus rouler sans caméra, hein, enfin, sans dashcam, quoi. Les pieds boucles, elles sont partout, tout autour de vous, comme des ovnis, ils sont parmi nous, ils ne viennent vous dès que passe un minou, ils échangent une pile de coups, dès qu'il y en a un ou deux qui ont bu un coup, cette histoire se passe à la campagne, dans un bar réputé calme, quand tout à coup. Voilà. Ah, là.
Quel show! C'est quelque chose de nouveau, hein. Quelque chose de réel, quoi. Ouais, ça, mais donc, c'est ça, à chaque fois, c'est réel. C'est vrai qu'on en rit, mais... Hein. Trop, trop fort. C'est vraiment un génie, en fait. Un génie sous-côté, Camille. Et t'as vu, même dans la deuxième partie du clip, là, hein, il montre que ce n'est pas que dans la rue avec les racailles. C'est également dans les bars avec les gens qui sont bourrés, qui se mettent à se battre, quoi. Là, oui, il y a la boisson, tout à fait, tout à fait. Voilà. Attention, même sur la route, à mon avis, il y a certains qui ont déjà fumé quelques petits joints ou bien bu quelques petits verres et puis ils prennent la route. Enfin, ils prennent la route et... Bah, si... Et puis voilà. Hein. S'ils auraient fumé un joint, crois-moi qu'ils ne deviendraient pas violents, tu vois, parce que justement, ça, ça calme plutôt, plus qu'autre chose. Par contre, s'ils ont bu, là, ouais. Là, ouais, mais les deux... Ouais, bah oui, y a, quand il y a la boisson, y a, voilà, il y a parce la bagarre. Souvent, moi, je regarde des émissions en France, quoi. Hein. Hein, donc, ce sont des émissions genre enquête, voilà. Mm. Et donc, ce sont des policiers qui arrêtent, bah, justement, des automobilistes. Et parfois, c'est pas triste. Hein. Hein, vous avez bu? Non, non. Et puis, là, le test, tu vois que... Vous n'avez pas fumé? Non, non, non. Et puis, hop, test, positif. Donc, quand tu vois le nombre de personnes comme ça qui sont arrêtées et qui circulent sur la route, il y a de quoi avoir peur, hein, franchement. Hein. Parce que tu en rencontres certainement tous les jours, hein, mais bon, voilà. Non, c'est sûr, c'est sûr. Enfin, tôt ou tard, ils se retrouvent aussi, soit au ciel ou bien en prison. Donc, tôt ou tard, je suppose qu'avec le temps, il y en aura de moins en moins, parce que, hein, avec les accidents, tout ça, je suppose que... Une sélection, quoi. Mais il y en a toujours. Hein. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Et donc, est-ce que t'as aimé le morceau? Ouais, j'ai aimé, parce que c'est vraiment... Voilà. Ouais. Même la rythmique, elle est bonne, je trouve. Hein. C'est oh, excellent. Oui. C'est vrai que t'as vraiment envie d'en... Ça se passe là. Oh là, le padre, il est chaud, là. Ah oui, hein. Attention, calme-toi. Hein. Moi, j'avais envie de casser l'obète de bus, là. Parce que ça, souvent, dans le quartier, on voit comme ça. Alors, ils ont... Je sais pas, ils se sont acharnés dessus, hein. Tu vois, tous les morceaux de verre partout, là. Et... Ouais, ça devient un punching ball. Ouais, carrément, quoi. Pour se défouler. Hein. Bon, quand c'est le printemps-été, ça va encore, mais en hiver, s'il n'y a plus de pare-vent ou... C'est voilà. Clair. Donc voilà, moi j'aime bien l'instru, j'aime bien la rythmique, j'aime bien la... même la mélodie dans le refrain. Là. Et c'est très original, hein, parce que c'est vrai que... Bon. Voilà, et même le fait de... Bon, il répète toujours la même chose au début, mais c'est catchy à mort, et c'est marrant, hein, c'est prenant. Ouais. En plus, c'est cohérent. C'est ça le pire, c'est que c'est cohérent. Ouais, c'est vraiment une caricature des débuts de bagarre classiques, quoi, des provocations. Ouais, surtout des bandes de quartier, quoi. Hein. Ouais. Et des bandes de bar, voilà. Une petite étincelle, et puis bouffe, ça y est, hein, c'est... Ouais, juste parce que t'as osé regarder dans ses yeux. C'est vrai que maintenant, il vaut mieux plus tu regardes. Personne. Comment les gens hostiles te regardaient dans les oui, yeux. Oui, encore, parce que si tu rencontres une bande et que tu regardes par terre, elle va dire, ouais, pourquoi tu regardes par terre? Pourquoi tu ne regardes pas, hein? Et puis souvent, Ça qui conclura la vidéo sur Kamini. On fera d'autres morceaux, bien sûr. Ouais, parce que j'aime bien... Pas tous. Ouais, parce que j'aime bien son originalité, quoi. Et c'est vrai qu'on ne connaît pas plus que ça, hein, que la seule chanson qu'on nous passait en boucle sur les radios, mais autrement, ouais. Il nous manque, franchement. Bon, on a fait quelques morceaux maintenant, mais il devrait faire plus. Un album, ouais, sur la vie de tous les jours, quoi, ce que les gens doivent parfois subir. Ou même une parodie des Drillers. Ouais, carrément. Je pense que ça pourrait bien le faire. Ouais, c'est vrai, ils pourraient se diriger dans des parodies, justement. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit like. Et on se capte la prochaine fois. Ciao!